Le 31 janvier, on a pu découvrir Brigitte Macron sur le plateau des 12 coups de midi. Comme chaque année, l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann fait la promotion de l'opération Pièce jaune. Tout au long de cette semaine, du 31 janvier au 6 février, les maîtres de midi jouent au profit de la Fondation des hôpitaux dont l'objectif est d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Et dès lundi, des invités prennent place. Didier Deschamps et Brigitte Macron sont les premiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la première dame se prête avec joie à l'exercice. Elle joue le jeu, elle semble très à l'aise et elle fait même le show. Elle parle de foot, de sa relation avec Didier Deschamps, qui est parrain de l'opération. Elle dit « on s'entend surtout sur le foot, bien évidemment ». Elle a même fait une petite confidence concernant ses dîners avec Emmanuel Macron. « J'adore faire la cuisine, ça me détend. Et j'adore faire la cuisine le soir pour le président, pour qu'il garde la ligne ». Jean-Luc Reichmann lui a alors demandé quel était le plat préféré d'Emmanuel Macron. « Vraiment, le soir, une petite omelette au lardon, avec des pommes de terre sautées et une salade. Et il est très heureux », a-t-elle répondu. Une bonne ambiance, très décontractée, Brigitte Macron, est très sympa. D'ailleurs, dans une interview qui était parue vendredi 28 janvier, elle faisait preuve d'un fort recul sur sa position de première dame. « Je suis l'épouse du président de la République, ok, qui est le président de tous les Français, d'accord. » Mais moi, les Français ne m'ont pas voulu, j'en ai parfaitement conscience. Et il ajoute, à moi donc de trouver ma place et d'aider les Français là où je peux le faire. Elle a donc choisi d'œuvrer dans les domaines de la culture, de l'éducation ou encore de la santé, comme elle le fait en participant activement à la campagne de l'opération Pièce jaune. Et en plus de sa participation aux 12 coups de midi, Brigitte Macron s'est également mise en scène dans un clip de promotion pour l'opération qui est diffusé depuis le 12 janvier dernier.